Salut à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec l'event TKT. Aujourd'hui une vidéo rapide pour vous, tout simplement pour vous montrer comment on peut parler plusieurs langues avec Siri. C'est tout simple, vraiment c'est gratuit. Mais tout d'abord je fais mon petit rappel, si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit pour vous, c'est important pour moi. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, c'est parti pour cette vidéo. Tout d'abord je demande à Siri en quelle langue peut-elle traduire du français. En quelle langue peux-tu traduire? Je peux traduire du français vers l'allemand, l'anglais, le chinois mandarin, l'espagnol, l'italien, le japonais, le portugais du Brésil et le russe. Voilà, elle a dit le japonais aussi, mais le japonais, il y a un petit souci, les amis. Je ne sais pas, c'est peut-être un bug, il n'y a pas le japonais en tout cas. On essaye, je fais l'exemple avec vous, tout simplement en parlant chinois. Allez hop. Comment on dit en chinois? Les amis chinois, s'il vous plaît, prenez vos précautions. Je n'ai plus envie de vivre de pandémie en Europe. En chinois mandarin, des amis chinois, s'il vous plaît, prenez vos précautions. Je n'ai plus envie de vivre de pandémie en Europe, se dit. 中国朋友, 请采取预防措施. 我不想再生活在欧洲的疫情中. C'est trop bien. Ça me fait marrer cette langue. Allez, un autre pour... Comment on dit en allemand? Franchement, vos voitures, les amis, c'est quelque chose. En allemand, franchement, vos voitures, les amis, c'est quelque chose, se dit. Ehrlich gesagt, deine Autos, Freunde, das ist etwas. Ah, pas mal, hein, vous avez vu. Allez, hein, pour l'anglais, pour dédicace à Elisabeth II qui est décédée aujourd'hui. Comment on dit en anglais, je viens d'apprendre la terrible nouvelle de la mort de la reine Elisabeth II. En anglais. Je viens d'apprendre la terrible nouvelle de la mort de la reine Elisabeth II, se dit. I just learned the terrible news of the death of Queen Elizabeth II. Voilà. Vous avez vu, les amis, c'est tout simple. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Je fais juste un dernier en russe, allez. Comment on dit en russe, faites l'amour, pas la guerre? En russe, faites l'amour, pas la guerre, se dit. Занимайтесь любовью, а не войной. Les amis russes. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez bien aimé cette vidéo, et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like. C'est la source de ma motivation pour continuer ces petites vidéos que je partagerai avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec l'event TKT. Ciao, ciao les amis.